Ce piédestal paraît prometteur. Discutons un instant, puis vous tenterez d'ouvrir un portail. Ça pourrait marcher. Nous pourrions ouvrir un portail qui nous mènera aux adeptes. Ou alors, il s'ouvrira sur un autre recoin plus sombre d'Oblivion. Enfin, on n'a rien sans rien. Allez, on essaie quelque chose de plus fou. On aurait dit que les adeptes ont utilisé leur amulette sur le piédestal, ce qui aurait ouvert un portail. Examinez le piédestal. Voyez s'il y a un endroit où poser l'amulette. Ces idiots de Dagonistes pensent avoir le dessus. Nous allons leur prouver le contraire. Eh bien, nous voici avec un portail. Il ne reste qu'à découvrir si c'était une bonne ou une mauvaise idée de le traverser. Je vous avais dit qu'on nous suivait, acolytes. Montrons-leur le vrai pouvoir. Ah, voilà qui est intéressant. Fouinons un peu. C'est Vandacia, le grand prêtre de l'ordre. Je savais bien qu'il m'agaçait, celui-là. Nous arrivons trop tard. Le grand prêtre sait où se trouve l'ambition. Mais ils ont bien parlé d'une attaque contre le château de Leawin. Maintenant, je sais qui doit mourir pour cette grave insulte à la confrérie noire. Le conseiller Vandacia, grand prêtre de la Flamme éveillée. Mais que vous inspire cette entrée de journal sur la première ambition et une attaque contre le château de Leawin? Ils ont ce qu'ils cherchaient, et maintenant ils mobilisent leurs forces pour tuer les autres conseillers. Lorsqu'ils seront morts, Vandacia sera le seul à connaître le secret des empereurs des Longères. Et Vandacia fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre la main sur ces documents. Vous savez à quoi vous en tenir maintenant. Vous devez rentrer au château de Leawin au plus vite. Je vais rester dans les environs pour éliminer quelques adeptes supplémentaires. J'ai encore envie de me défouler après cette attaque contre mon sanctuaire. Je vous suggère de rentrer au plus vite au château de Leawin. Je suis un assassin, pas un soldat. J'ai rempli mon rôle. Allez remplir le vôtre. Lorsque j'aurai fini, si Vandacia est encore en vie, on verra bien. Ce portail devrait vous ramener vers...
Ouvrez ces portes. Nous devons rejoindre les conseillers. Elles sont verrouillées de l'autre côté. Mercenaires, vous voilà de retour. Evely tente d'entrer dans la caserne. Allez-y! Les adeptes de la flamme éveillée ont créé une diversion. Et comme des bleus, Evely et moi sommes tombés dans le panneau. Dès que nous avons quitté le château, ils ont envahi les lieux et se sont barricadés à l'intérieur. Je ne sais pas. Le temps que nous comprenions qu'il s'agissait d'une diversion, les adeptes s'étaient barricadés à l'intérieur. Si les adeptes blessent Lovidicus, Vandacia et les autres, je jure de leur faire payer. Quoi ? Vous êtes sûr de vous ? Vandacia sert le bois noir et l'Empire depuis plus de 50 ans. Assez, il faut entrer. Ensuite, nous pourrons découvrir toute la vérité. Allez trouver Evely près de la caserne et aidez-la. Du calme. Attendez. Maintenant, nous pouvons entrer. Allons. Oh, vous êtes là? Oh, ivre soit loué. Vous êtes revenu. Le capitaine Rian et moi, ils nous ont bernés, attirés hors du château. Et maintenant, ils ont bouclé le bâtiment. Et je ne sais pas s'il reste des conseillers en vie. J'ai tout raté. Vandacia! Traître ! Il nous a bernés, menti ! Il a fait assassiner ses propres collègues, et tout ça pour mettre la main sur quelques armes d'Edric ! Mais l'Irante, la Dremora, elle m'a dit que le sort du monde était en jeu. Nous devons rejoindre les conseillers. Oui, la caserne est reliée au reste. Puisque j'ai éliminé leurs gardes, nous pouvons passer par là pour rejoindre les conseillers et les légats. Allons-y, mais restez vigilantes. Nous ne savons pas combien ils sont, ces glands fendus. Vite! Nous devons rejoindre les conseillers! Je n'en reviens pas que Vandacia nous ait bernés, ou qu'il dirige ses fanatiques! Vandacia, comment avez-vous pu faire ça ? Faleria, avec tout ce qui est en jeu, comment aurais-je pu faire autrement ? Conseillère Faleria ! Non ! Béragon, quand es-tu arrivé ? Dès que le conseiller Lovidicus m'a fait appeler. J'étais avec lui lorsque les adeptes ont attaqué, mais nous avons été séparés. Nous devons trouver Lovidicus. Viens avec nous, mon frère. Nous devons rester ensemble. Est morte. Nous devons continuer à chercher Lovidicus.
Cardassia. Oh, espèce de traître. Je vais finir ce que les empereurs des Longères ont commencé, Lovidicus. Je déchaînerai le pouvoir des quatre ambitions. Seigneur Dagon, écoute ton grand prêtre. Envoie-nous un champion pour détruire ces imports. Ne vous inquiétez pas pour moi. Occupez-vous de cette créature. Conseiller Lovidicus, vous êtes en vie. Laissez-moi vous emmener quelque part à l'abri. Fantasia, ce salaud nous a tous bernés. Le conseiller Vandassia ne doit pas s'en tirer comme ça. Il doit répondre de ses meurtres. Et nous ne pouvons pas laisser sa secte s'emparer des ambitions. En route ! Ami de ma sœur, venez me parler. Un instant, je vous prie. Allez parler au scribe, pendant que je reprends mon souffle. Maintenant que nous ne sommes plus immédiatement en danger, je peux me réjouir de vous revoir. J'aurais aimé que les circonstances soient meilleures. Mais j'ai de bonnes nouvelles. J'ai déchiffré les documents que vous avez récupérés. Je ne sais pas... Je n'ai traduit qu'une petite partie du code avant l'assaut. Il était question d'une crypte pour les protéger, les étant sans doute les ambitions. Elles seraient cachées dans l'Ogelbach, mais je ne connais pas ce terme. De l'argonien, peut-être ? On dirait, mais je ne suis pas catégorique. Je n'ai pas encore signalé la chose au conseiller Lovidicus. Puisqu'il a l'air de vouloir vous parler, veuillez le prévenir de mes conclusions. Et dites-lui que je suis navré de ne pas en avoir décodé davantage. Prévenez le conseiller Lovidicus que nous avons déchiffré le document. La crypte qui les protège est cachée dans l'Ogelbach. Si seulement j'avais pu finir ma traduction avant que Vandassia ne les vole. Ravi aussi, mon ami. Merci de continuer d'aider ma sœur. Je sais qu'elle peut se débrouiller, mais je m'inquiète quand même pour elle. Il devait penser que je n'avais pas pu déchiffrer quoi que ce soit. J'ai à peine eu le temps de regarder les documents avant que les portails ne s'ouvrent pour laisser entrer les adeptes. Heureusement, je connais très bien ce code. C'était ma spécialité. Hélas, l'époque où je partais à l'aventure est terminée depuis longtemps. De nos jours, je suis bien plus à l'aise avec une plume et de l'encre qu'avec une épée et un bouclier. Je vais rester ici et demander au conseiller Lovidicus s'il a besoin de mes services, puisque je suis déjà là. Vandassia va payer. Je le jure. Conseiller Lovidicus, vous devez vous reposer. Vandassia, grand prêtre de Merunes Dagon, était-ce un adepte d'Edric depuis tout ce temps? Je n'ai vu aucun signe, et maintenant, tous les conseillers sont morts. Faleria, Sophus, Abor et Jiri. Oui, bien sûr. Le sanctuaire. J'imagine que ça prouve définitivement l'innocence de la confrérie noire. Qu'avez-vous trouvé d'autre? C'est pire que cela. Vandassia a arraché au scribe les documents que vous aviez récupérés auprès des autres conseillers. Une fois qu'il les aura traduits, il pourra savoir où se trouvent les quatre ambitions. Ogelbach. J'ai déjà entendu ce terme. C'est de l'argonien. Je crois que cela fait référence à une formation naturelle dans le marais du Bois Noir, mais Vandassia connaît mieux la région que moi. Je sais qui pourrait nous aider. Vous la connaissez, il me semble. Si ce terme nous mène à la crypte, oui. Nous ne pouvons que suivre les indices que nous trouvons. Parlez à Keshu, l'aileron noir. Si quelqu'un peut nous aider à nous y retrouver dans la région, c'est bien elle. Bon sang,
Je ne reviens pas que Vandacia soit un traître et un adepte. Et il a tué Falleria. Il a même failli tuer l'Ovidicus. Il avait un coup d'avance sur nous depuis tout ce temps. Nous ne pouvons pas le laisser atteindre les ambitions. Nous ne pouvons pas. Bon, on a un plan. En attendant, nous avons sauvé le conseiller Lovidicus, innocenté la confrérie noire, et déterminé que Vandacia le traître est à la tête de la secte. Vous avez fait du bon travail, mon ami. Voici votre part de notre cachet. Les renseignements des anciens conseillers indiquent un site argonien, un endroit appelé Logelbac. Vandacia a pris la fuite avec les documents avant qu'on ne puisse en apprendre davantage. Maintenant, nous devons comprendre ce que cela veut dire avant que les adeptes ne nous prennent de vitesse.